Je dis que ces merveilles sont excellentes. Monsieur dit, je vais raconter nos bagailles qui arrivent. Et c'est moi pour raconter nous. Lors du chapitre 4, là, monsieur racontait qu'elle était frappée l'estomac les trois. L'Éternel prend l'ivoire à manger Zeb pendant 7 ans. Par son orgueil, bon Dieu montre que si je te bats l'homme, si je te bats diriger le royaume, non, c'est moi qui te bats. Donc, on caprène nos mains, on l'aime vle. Comment est-ce qu'on est d'accord que mon Dieu caprène le royaume? Bon Dieu, bonne direction, on nation, les caprènes nation, nos mains, on l'aime. Bon Dieu, bonne dirige, les caprènes nos mains, on l'aime. Parce que les diriger le règne des hommes. En d'autres termes, les trônes, les royaumes, les gouvernements, c'est l'Éternel qui permet au monde de jeter sur eux. Personne ne monde pas doit élever en l'élévation si mon Dieu pas bon roi. Et c'est ça que fait dans les États-Unis, Obama pas d'un jeune président. Si ciel l'a pas déclaré le président. Comment monde qui comprend ça matière là? D'ailleurs, opposition que Dieu bat, qu'a fait depuis le commencement, l'a commencé à mener campagne en 2008. Et juste une minute que n'a pas parlé avant là, opposition blanc yo montré que M. Patap a passé. Et dans le deuxième mandat, où senti qu'on met qui dirigeait l'élection. Parce que le Patap a monté encore une deuxième fois. Parce qu'il y a des bagailles qui fait pour ne pas monter. Mais si elle l'a dit, M. Bogolel, pour qu'on arrive pour la terre. Et puis si elle l'a fait, peuple là encore, voter en masse. Et puis il fait mon surveillé. Et puis encore une deuxième fois, il montait avec plus de votes que l'elle était montée en 2008. Qu'on y a un executive order. N'importe sale café, le fait le café. Et pas que le monde qui a empêché le faire. Mais comme il faut le faire, bagaille qui est partisanship. Faut obliger faire bagaille avec congrès, avec chambre. Donc, l'obliger marcher derrière yo, l'obliger tendre yo, l'obliger avec yo. Mais il y a un executive order pour faire ça. Est-ce qu'on est ensemble avec? Donc, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui élève. Fini, frère maintenant. Et c'est Dieu qui a. Dis encore, c'est Dieu qui est. Et c'est Dieu qui a. C'est Dieu qui abaisse. Donc, moi, je dis dans ce maintenant, si mon Dieu ça. C'est bon Dieu ça. Il était levé à Syrie, un grand royaume. Il met à Syrie à terre. Vous faites pour respecter. C'est bon Dieu ça. Il était levé à Babylone. Il chavirait encore. Vous faites pour gagner la crainte de Dieu. Et dans le dernier temps ça, même bon Dieu ça, qui était renversé Babylone, la Grèce, les Mèdes et les Perses, bon Dieu avertit. Il a renversé encore des royaumes. Si on pas respecté autorité. Les voyez si oui pour qui montrer ça. C'est moi-même qui pas comprendre ça. C'est pour la première fois dans l'histoire. N'entrer dans millénium ça. C'est pour la première fois dans l'histoire que tremblement de terre multiplié comme ça. C'est à chaque seconde, quand je parle ensemble avant là, il y a des tremblements de terre qu'on n'a pas même senti. Qui avec une magnitude qu'on n'a pas même senti. Parce que les mal sur Internet, là, m'a cherché, et puis m'a joué une série de signes qu'on mettait sur toute planète là, côté tremblement de terre, fait pendant qu'on parlait, et puis pour le tremblement de terre, fait. Il n'y a pas secoué nation, hein, parce que il n'y a pas de gros magnitude. Mais quand on commence à atteindre 7, 8, 9 magnitudes, c'est à partir de ce moment que les nations ont commencé à sentir ça. Donc, les bons dieux font un avertissement par des tremblements de terre, c'est pour le faire les nations reconnaître et pour le faire le monde entier reconnaître que l'on est vivant. C'est que l'on est là. Comment vous dites quoi, mon Dieu là? Mon Dieu là. Tremblement de terre en Haïti, c'est ton signe. C'est ton signe.
pour vous montrer à tout peuple haïtien, faut nous réveiller nous. Parce que le ciel l'a frappé pied maintenant. Et nous avons toujours dans ce maintenant, pour la première fois dans l'histoire, tu as toujours gagné coup d'éclair sur ce arôme. Tu as toujours coup d'éclair arôme. Mais immédiatement que le pape là-bas démissionne, et puis qu'on coup d'éclair de frapper basilique là. Non, je le bail démissionne. Si elle l'a dit au bagaille. Quelques jours plus tard, pas longtemps. Et puis, si elle l'a volé une roche qui sortit dans l'espace. Et puis qu'elle frappait la Russie. Et puis le monde entier réveillé. Nous pendant qu'il dit, ah, ça, c'est, est-ce que ça a cette tribulation? Est-ce que ça a son jugement? Est-ce que ça a son signe? Tout le monde a posé question, ça y est. Parce que si elle l'a, pas jamais envoyé un message pour que il dit qu'on bagaille, le Seigneur a dit. Il dit qu'on bagaille, le Seigneur a dit. Dis ça encore, non. Qu'on bagaille, le Seigneur. Dis ça encore, qu'on bagaille, le Seigneur. Qu'on bagaille, le Seigneur a dit. Qu'on message, le Seigneur, à vous. Qu'on bagaille, a dit. Qu'on message, l'a envoyé. Donc, c'est les pour yeux ouverts. Mais vous-même qui êtes là, libre rêve, tout. Libre rêve. Quel rêve ou faire passer? Ou qu'elle doit prendre pour former, ou qu'elle doit prendre pour nation. Mais quelquefois, rêve, ça, c'est rêve qui annonçait au Seigneur de bagaille qui ne prend pas. Passé. Donc, c'est le premier bagaille que je voulais remarquer, qu'on voulait remarquer à soi, hein? C'est signe d'être. C'est pour se ouvrir sur ce qu'on fait. Tremblement de terre, pas pour que Messie. Tempête, pas pour que Messie. Coup de éclair, pas pour que Messie. C'est que si elle a une parole là. Et moi-même avant, nous pas doué ignorant. Pour nous dire ça, pas dit nous, hein? Jésus dit, l'eau, ouais, bagaille, ça va arriver. C'est pour qu'on ait le Fils de l'homme est prêt à la porte. Lui, il a dit, Maranatha. Vous voulez dire ça, Maranatha? Dis encore, Maranatha. 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 J'ai encore Maranatha. Maranatha. Les bas hommes ont dit Maranatha, c'est pour du Christ revient. On a dit avec Maranatha. Dis encore Maranatha. Maranatha. Christ revient. Christ revient. Il n'y a pas tant de l'autre encore. Même si on est bien habillé là, ou bien habillé, nous venons dans le service là, ou bien doit sauter là et puis c'est apparaître. Et ça, ensemble avec. Il va prendre longtemps. Il va prendre longtemps. Dernier bagage Abdou qui voulait rafraîchir mémoire et puis attirer attention sur lui, qui est important. Non seulement signe de temps, tremblement de terre, tempête, coup d'éclair, etc. Donc, moi, je voulais songer que le livre de l'Apocalypse, il n'est pas un livre simple. C'est un livre que l'Éternel pas bail tout le monde droit pour déchiffrer. Parce que faut qu'on dose herméneutique, ça nous est les sciences de l'interprétation pour capable déchiffrer les bizarres. Parce que non seulement son problème. Parce que l'heure de révélation, son problème. Révélation sans problème. Parce que mot révélation, hein, c'est depuis dans Genèse. C'est depuis dans Genèse. Ou après rencontrer avec mot révélation. Hein, parce que Dieu se révèle. C'est la foi pour faire contre mon Dieu. C'est la foi pour faire contre mon Dieu. Donc, Dieu se révèle. Après avoir autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Parler à nos pères, les prophètes. Dans les derniers temps, Dieu nous a révélés par le Fils. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et par lequel il a aussi créé le monde. Donc ça veut dire que depuis la Genèse, jusqu'où il vient dans l'Apocalypse, Dieu se révèle.
Donc, le Dieu que nous servons est le Dieu de l'histoire. C'est mon Dieu qui fait histoire. Elle lui fait histoire. Histoire, création, c'est mon Dieu qui fait. Et faut que c'est un de mon Dieu pour mon Dieu révéler une série de bagages. L'après mon Dieu encore. Est-ce que là, on s'en matin? C'est ça fait simplement à soi, en trois points. Je vais conclure à soi pour me voir aller. Mais en trois points, je voulais imagination et l'esprit pour comprendre ce qu'on fait là. Le livre Apocalypse, premier salle, montre son vision de la grâce de Dieu. La vision de la grâce. Depuis Genèse 3:15, le Seigneur annonçait grâce. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans Genèse 3:15, mon Dieu annonçait une postérité. Dans Genèse 3:15, mon Dieu annonçait un dragon, un serpent. Dans Genèse 3:15, mon Dieu annonçait un jugement. Tu lui écraseras la tête et il te blessera le talon. Qui postérité ça, la postérité de la femme? C'est ça qui fait obligé de prendre précaution parce que l'arrivée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Le chiffre 12, c'est un chiffre qu'on doit considérer en plus parce que le chiffre 12 rentre dans le chiffre du royaume de Dieu. Et chaque fois, ouais, 12 fois, ouais, Israël. Parce que le chiffre 1, c'est le chiffre de l'absolutisme de Dieu. Dieu est absolu, Dieu est 1. Chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. Chiffre du ciel. Chiffre 4, c'est le chiffre de la nature, de la création. 5, le chiffre de la grâce. 6, le chiffre de l'homme. 7, le chiffre du Saint-Esprit. 8, le chiffre de la résurrection et de la transcendance. 9, le chiffre de la prospérité et de l'abondance. 9 mois, le côté petit monde, il fait. Le chiffre 10, c'est le chiffre du fini. Le chiffre 11, c'est le chiffre du désordre. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du royaume. Donc, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, on va voir qu'il s'agit de un seul peuple. Le peuple d'Israël. Et ça fait si, amen, ou besoin qu'on qui le lié dans l'éternité, il faut jouer fixé sur Israël. Ben, bravo pour le Seigneur, pour ça. Tout le monde qui veut se compte, qui le lié dans l'éternité, c'est fixé sur Israël. Parce que c'est Israël, bon Dieu, nous comme modèle. Et le monde qui sauve nous, on sont Israël liés. Le monde qui sauve nous, on sont juifs liés. On ne va pas dire amen. Ou pas comme ça? Le salut vient des juifs. Jésus sont juifs. Jésus sont Israël. Et ça fait le dit, il n'est pas venu pour premièrement pour où? Il vient pour petit lié. Il vient pour peuple. Et pour le peuple est venu. Et ça fait le dit femme non. Il dit femme non clairement. Je ne vais pas venir jeter paix. Paix, papa, maman, moi. Je ne vais pas venir jeter le bah, cochon. Le bah, chien. Le bah, pousseau. Non. Il traite femme non de chien pour ça. Parce que les nations de la terre, la présence de Dieu, ce sont des chiens. Ce sont des étrangers. Le paganisme est mauvais. Donc, Fia était tellement humble, elle était tellement soif de salut. Elle dit, Seigneur, Seigneur a songé que moun qui a besoin, chien, l'elle qui a besoin de grand goût, c'est dans bien mettre la fruité. C'est en bas de mettre le ramasser grâce. Donc, même si manger n'a pas de fête pour moi, mais grâce là, je vais ramasser la bataille. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis là. Donc, toute grâce où on rejoint, c'est bon Dieu, faut rejoindre. On ne pas pour salut, on ne pas pour le vignomer, on ne peut pas pour dire amen. Mais le Seigneur fait rejoindre grâce là. La grâce du salut, faveur mon Dieu. Vous avez mon Dieu dans le bonjour. Vous avez cité dans l'éternel. Vous avez levé mon leur, dit gloire à Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Puis si tout malade, vous posez les mêmes guéris. C'est la grâce de Dieu. Maison, diable, pas qu'à attaquer. La grâce de Dieu. Tout le monde qui croit, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Pas de la foi pour le Seigneur. Dieu avec la grâce de Dieu. Vous pas doué que salut entre la caillou. Oh, où sont nos pays, c'est un gars seulement.